notre livre de référence. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, au verset 32, il est dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants les uns envers les autres. » Notre Dieu est un Dieu pourvoyeur, donc un Dieu plein de bonté, un Dieu bon et un Père pour chacun d'entre nous. Il veut que ses enfants soient également des bienfaiteurs, des faiseurs de bien. La bienfaisance n'est pas l'apanage de quelqu'un ou de quelques-uns, mais de tout enfant de Dieu. Parce que chacun de nous, étant un enfant de Dieu, nous croyons que par l'entremède du Saint-Esprit et la parole que nous recevons chaque jour, Dieu déverse en chacun de nous de la compassion. La compassion pour notre prochain. Il faut avoir à l'esprit que le social, c'est un sacrifice, l'oubli de soi et d'aider les autres. Car c'est ce que nous voulons et que nous devons faire pour glorifier notre Dieu. Ne dit-on pas que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Je sais et je crois, sans me tromper, que plusieurs d'entre nous avons des cœurs pleins de compassion et souhaitons aider notre prochain. Mais les difficultés de la vie font que nos moyens sont souvent limités. C'est la raison pour laquelle le département du social organise cette conférence sur l'entrepreneuriat. Pour donner à chacun de nous l'occasion de recevoir des enseignements et des mécanismes sur l'entrepreneuriat afin de nous donner l'opportunité à chacun de réaliser notre rêve, celui de montrer à la face du monde c'est quoi la face sociale du Christ, en devenant des sources de bénédiction pour tous ceux qui sont dans le besoin. L'entrepreneuriat est la porte de sortie de la précarité en se prenant en charge et en devenant un agent de développement pour la société. Je vous souhaite d'être plein d'enthousiasme pour briser les chaînes de la peur afin que vous soyez ce soldat de l'Éternel dans toutes nos activités. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Amen. Je pense que le pasteur a tout dit. Donc on va de ce pas inviter la chantre de ce soir. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre chante qui nous vient tout droit de l'église du Temple de la Foi. Amen. 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 Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'être là. On va de ce pas se mettre debout pour célébrer le Seigneur. Amen. 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 Si tu es content, dis avec moi avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche chantera le Seigneur. Amen. Amen. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Je lèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh
Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Oh, eh, eh, eh. Ah, acclamons le Seigneur, il est vivant. Oh, eh, eh, eh. Eh, ah, acclamons le Seigneur, il est vivant. Oui, ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur. Il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble élevons 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 le Seigneur, il est vivant. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvant nous louer si ce n'est pas toi? D'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous acclamer si ce n'est pas toi? Nous t'élevons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous élever si ce n'est pas toi? Nous t'élevons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous élever si ce n'est pas toi? Qui soit loué, qui soit loué, Jésus. Qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois. Qui soit acclamé, qui soit acclamé, Jésus. Qui soit acclamé, qui soit acclamé, le roi des rois. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour de consacrer ma vie entière. Et ce qui est ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, je te parle Jésus, je te parle l'alpha oméga, je te parle du lion de la tribu de Juda. Sais-tu qu'il existait
une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie. Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Pour Jésus, pas pour moi, mais pour Jésus, celui qui nous fait du bien chaque jour de nos vies. Nous te sommes reconnaissants ce soir, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu? Nous allons dire, confesser ce chant qui dit « Christ est la vie recherchée de mon âme ». Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Est-ce que tu peux chanter avec nous, Christ est la vie? Christ est la vie, et la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Célébrer le Seigneur.
Seigneur, nous t'adorons. Nous profitons de ces instants pour dire combien tu es bon pour nous. Nous profitons de ces instants pour élever ton nom. Nous profitons de ces instants pour t'adorer, toi l'unique Dieu. Merci pour cette conférence. Merci pour chacune de nos vies présentes ce soir. Parce que nous savons que tu vas nous faire du bien. Parce que nous savons que tu as déjà prêté nos cœurs. Que tu as déjà renouvelé nos intelligences. Et nous sommes disposés ce soir pour recevoir ta grâce. Alléluia. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Sois béni, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien. Dieu est grand, chantons-le, combien, combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien, combien, combien. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, son nom. Il est digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien, je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia, ton nom est infiniment grand. C'est pourquoi ce soir nous le chantons. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Seigneur, ton nom. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom. Que ton nom est infiniment. Que ton nom est infini, Seigneur, ta majesté, ta majesté.
des cieux, que ton nom est infini. Seigneur, ta royauté, ta royauté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Seigneur, ta sainteté, ta sainteté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Seigneur, ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Du jour. Comme je le disais plus tôt, nous sommes accueillis ici par le département social qui va nous entretenir durant la semaine sur le thème de l'entrepreneuriat. Et comme sous-thème du jour, nous avons comment se prendre en charge. Amen. Qui veut bien apprendre à mieux se prendre en charge ce soir, pardon. Moi, j'aimerais bien avoir les mécanismes nécessaires pour mieux se prendre en charge. De ce fait, le département social et les responsables de notre assemblée ont choisi comme conférencière du jour Madame Juliana Obamba-Mebois, épouse Zan. Est-ce que quelqu'un peut faire un tonnerre d'applaudissements? Vous comprendriez pourquoi. Alors, la conférencière du jour, elle est spéciale quand même. Bon, elle est spéciale d'abord parce que c'est une femme. Elle est administrateur des finances et du trésor, diplômée de l'ENA du Togo. C'est pas donné à tout le monde, hein? Même moi, là, je n'ai pas ça. Amen. Alors, elle a des compétences dans la budgétisation par objectifs de programme et le suivi et évaluation des projets, secrétariat administratif et comptable. Je crois quand même que c'est la mieux placée pour nous aider dans l'entrepreneuriat. Parce que quand je vois suivi et évaluation des projets, on ne peut pas monter un projet, à mon avis, hein, sans passer par cette étape-là. Ce sont ces personnes-là qui nous aident à mettre en place des business économiques, des business models économiques, pardon, des business plans pour pouvoir monter nos projets et prévenir les risques à venir. Donc, nous sommes quand même des privilégiés ici au Temple de la Foi. On a les personnes qui viennent pour nous édifier sur le droit. On a des personnes qui viennent pour nous édifier sur la nutrition. Aujourd'hui, on a des personnes qui viennent pour nous édifier sur l'entrepreneuriat. Nous, tout ce qu'on va sortir d'ici, on sera des petits DG. Parce qu'on va former, ouvrir nos entreprises, ouvrir nos structures. Même si tu te dis ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est petit, maman, papa, tu seras un DG. Alors, notre conférencière du jour a également assuré des fonctions de chargée d'études dans plusieurs ministères de la place. Et aujourd'hui, elle est présidente d'une ONG appelée Usine à Jardin Vert, UJV. Amen. Cette ONG est regroupée, on va dire, de trois programmes, si je peux le dire ainsi. Elle-même viendra mieux nous expliquer de quoi il s'agit. Donc, on va dire le UJV Business, UJV Food et UJV Academia. Amen. Vous voyez, une dame avec un bagage pareil. Prenons nos stylos, prenons nos carnets et n'hésitons pas de prendre les notes pour nous aider à devenir des DG. Donc, on est venu ce soir pour nous aider à devenir des DG. Amen. Amen. À partir de demain, appelez-moi DG. Alors, vous allez faire, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Madame Juliana Obamba-Mebois, épouse Zan. Applaudissements.
On n'arrête pas d'applaudir si elle n'est pas sur l'estrade. Ok, là je crois que ça passe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Shalom à tout le monde. Shalom. Voilà. Donc, comme on l'a dit, je ne me présenterai plus. Vous avez déjà tout entendu. Peut-être qu'il manque beaucoup de choses. Mais je crois qu'on va se limiter là parce que nous avons 3 jours. Et durant ces 3 jours, en fait, on n'arrive pas à se connaître en peu de temps, en quelques heures. Je crois que nous avons 3 jours et c'est déjà beaucoup. Et nous aurons largement le temps de faire connaissance pour ce qui est de moi. Mais avec le temps qui nous est imparti, nous allons aller rapidement. Donc, je ne commencerai pas sans remercier le pasteur qui m'accueille aujourd'hui, sans remercier le département social, que je demande d'ailleurs d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Le pasteur a dit quelque chose, il a parlé, il a défini le département social, il a défini c'est quoi, social, voilà, et il a dit, c'est s'oublier soi-même, et ça, j'achète cette partie, c'est s'oublier soi-même véritablement, parce que lorsque, pour être dans ce département, il faut s'aimer, il faut savoir s'oublier, lorsque nous avons faim, on doit pouvoir se dire, moi je ne mangerai pas maintenant, mais je crois qu'il y a X sœurs, X, Y sœurs qui en a plus besoin que moi. Donc, c'est un département où, comme dans tous les autres, Dieu agit. Parce que ce sont des personnes vraiment qui ne pensent pas à eux, mais qui pensent d'abord à vous. Pendant que vous dormez, pendant que vous êtes sur autre chose, ces départements pensent à tous les membres de l'Église. Alors, je suis contente. Merci, merci à la responsable du département qui m'a choisi, parce que nous sommes sûrement beaucoup de conférencières, beaucoup de personnes qui peuvent parler de l'entrepreneuriat, mais je crois qu'elle a ses choix, ils ont leur choix, pourquoi est-ce que leur choix s'est porté sur moi, si je peux me répéter ainsi. Voilà, nous allons commencer, on a dit, c'est comment se prendre en charge. Je crois que beaucoup d'entre vous ici, nous nous prenons déjà en charge, n'est-ce pas? Voilà, ici ce ne sera pas un cours magistral, mais nous allons discuter, nous allons apprendre, comme à l'école. C'est-à-dire le professeur qui parle aux autres, ainsi de suite, et on pose des questions. Et là, ça nous permettra de mieux comprendre de quoi il est question. Alors, aujourd'hui, avant de vous dire comment se prendre en charge, je crois que on va d'abord connaître pourquoi et comment se prendre en charge. Qu'est-ce que se prendre en charge même? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un connaît? Parfois, on sait, on le fait, hein, mais lorsqu'il s'agit maintenant de définir de quoi il est question, alors là, on ne se retrouve plus. Mais nous allons commencer par là. On ne va pas durer, hein, je crois qu'on a même terminé. Si on dit comment se prendre en charge, les gens, les uns vont dire, nous allons nous prendre en charge en entreprenant. C'est ça, non? On va entreprendre, d'accord? Mais qu'est-ce qu'entreprendre? Nous allons commencer par là. Selon les dictionnaires, selon les livres, selon Internet, nous allons savoir ce qu'ils définissent là-bas. Après, nous allons revenir dans un autre milieu qui est le mien, c'est-à-dire qui est le nôtre, donc où nous nous trouvons présentement. Donc, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? On dit, l'entrepreneuriat est le fait de démarrer une activité dont on est soi-même l'initiateur. On a compris? On va retenir ça. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est le fait de démarrer une activité dont on est soi-même l'initiateur. Plus concrètement, on peut dire qu'entreprendre désigne le fait de créer, de développer une entreprise
et de donner vie à un projet. Le plus souvent, quand les gens entendent « entreprise », ça nous fait peur. On pense que non, l'entreprise, sans vouloir les citer, c'est forcément RTL, c'est forcément l'autre, c'est forcément Libertis. Ben non. Lorsqu'on se met à vendre de la tomate, on pose notre table, on a commencé à entreprendre. Pourquoi? Parce que tout ce qui sortira de là, les 5 francs, les 25, nous permettent de quoi? De nous prendre en charge. Ça nous permet de commencer à régler. Les enfants ont besoin du pain. On prend dans quoi? Dans la petite boîte à côté, dans le petit sac où nous mettons nos pièces. Et comme on le dit, ce sont les gouttes d'eau qui forment une rivière et un fleuve qui peut devenir bien plus que ça. C'est pour dire, ne négligeons pas les faibles commencements, ne négligeons pas ce que nous faisons. Tout ce que nous démarrons, c'est ça, l'entrepreneuriat. Maintenant, comment le faire de manière bien, comment le prendre sérieux? Nous avons 3 jours, donc aujourd'hui, nous allons véritablement comprendre ces quelques mots, définition de l'entrepreneuriat, et nous allons entendre ce que le livre par excellence, le livre qui ne ment pas, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'entrepreneuriat? Ça va étonner beaucoup, mais la Bible nous parle de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Beaucoup le savent, et nous allons voir ce que dit la Bible par rapport à l'entrepreneuriat. J'espère qu'un bon chrétien que nous sommes, nous avons notre arme et que nous l'avons apportée, d'accord? Tout pour nous se trouve ici. Nous allons comprendre. Donc, lorsqu'on se trouve dans le cadre d'une église, quand je vois un chrétien qui refuse d'entreprendre, je me dis, il n'a encore rien compris. Je me demande ce qui ne va pas. Je me demande ce qui se passe. Parce que je vais aller tout droit en vous disant que le premier entrepreneur, c'est Dieu. Ah oui, c'est lui. Nous allons voir pourquoi c'est lui. Mais selon les économistes, selon tout, eux, ils ont dit que le premier à avoir parlé de l'entrepreneuriat, il s'appelle Joseph Schumpeter. Là, c'est dans les années 1950. Voilà. Et pour lui, ce dernier, un entrepreneur est un homme ou une femme qui va être capable de modifier une idée ou une innovation. Pourquoi on parle de modification? On parle de modification lorsqu'il y a déjà l'existant, lorsque quelque chose existe. On a vu cette bouteille et on s'est dit, bon, nous allons créer des bouteilles. Pourquoi on parle de bouteille? Parce que le nom existait déjà. Nous avons déjà une forme. Alors, nous allons créer. Bon, on ne la fera pas comme la bouteille de Wanda ici présente. Nous allons la rendre légèrement plus longue, un peu plus. Bon, là, c'est 0,50. Et si nous ferons 0,75 litres? C'est ça la modification. C'était déjà là, mais nous apportons du mien. On apporte du nôtre dans l'idée qui existait déjà. Raison pour laquelle je dis toujours à mes sœurs et frères, faites tout ce que je fais, mais apportez pour vous. Qu'est-ce qui différencie de ce que je suis en train de faire? L'autre vend des bédoums, mais toi, essaye de vendre les bédoums, mais change la forme. D'accord? Et pourtant, ce sera la même chose. Ce ne sont que des bédoums. Mais le fait que tu aies mis une forme carrée, tu as mis des formes en cœur, tu en as fait des donuts, ça rend ce que tu es en train de faire spécial. Et les gens viendront chez toi parce qu'ils vont se dire, ben non, là-bas, d'ailleurs, les enfants, ils adorent les formes. Donc, et pourtant, c'est la même chose, la même farine, le même sucre, les mêmes œufs qu'on a eu à mettre, mais rien que pour la forme, tu auras peut-être beaucoup plus de clients. Beaucoup de personnes viendront sûrement chez toi. Hein? Et c'est là où on entend des choses, son affaire, là, n'est pas simple. Ces gâteaux, même à 9 heures, c'est déjà terminé. Ah, mais pourquoi? Ah non, c'est sûr qu'elle met quelque chose là-dedans. Ah ben non, elle a mis son cœur, elle a mis son vouloir, elle veut le faire. Et elle s'est dit, j'apporte du mien dans ce que je suis en train de faire. Donc, nous sommes là. Donc, tout à l'heure, je disais que qui est le premier entrepreneur? Moi, j'ai dit, c'est Dieu le premier entrepreneur. Donc, nous allons prendre nos Bibles, tranquillement, dans Genèse chapitre 1. Nous y sommes. Genèse chapitre 1, je vais paraphraser certains et je vais m'accentuer sur certains versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Dieu a créé. Et pour créer, qu'est-ce qu'il faut? Lorsqu'on crée, vous allez comprendre ce qu'on fait pour créer. La terre était informe, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Donc, à la maison, n'importe quoi, vous allez lire le verset 1 jusqu'à 31.
D'accord? Maintenant, moi, je vais m'attarder sur un verset qui me touche. C'est le verset 26. Donc, du 1 jusqu'au 26, nous voyons un peu tout ce que Dieu a eu à faire. Mais au niveau du verset 26, Dieu parle. Il était sûrement dans une assemblée, sûrement avec des anges, sûrement avec son gouvernement, avec son collectif. On va écouter. Moi, je ne sais pas avec qui il était, mais c'est la Bible. Et vu que nous avons dit que la Bible, c'est le livre par excellence, dans ce verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, est-ce qu'on parle seul ? Non. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc on dit qu'après que Dieu ait créé les plantes, la mer, tout, il a créé les animaux, et au verset 26, il s'assoit en disant « Faisons l'homme à notre image. » Est-ce que vous voyez un peu, est-ce que vous représentez un peu ce qui s'est passé? Je me dis, Dieu a fini de tout créer, et voilà, il fait un petit tour, il sent qu'il manque quelque chose, il a senti le besoin, il a vu que tout ce qu'il avait fait, et après chaque verset, on dit, et Dieu vit que, n'est-ce pas? Voilà, on le dit à chaque fois. Donc, ça veut dire, à chaque fois il crée, il revient regarder, et il voit que c'est bon. Et Dieu vit que ce qu'il est en train de faire est bien. Mais il a dit, il manque quelque chose. Et là, il réunit son collectif et il dit, faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu. Ça devrait nous faire plaisir parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, je ne suis pas n'importe qui. Je suis fait à l'image de Dieu. Alors, nous allons faire ce que Dieu dit. Voilà. Donc, dans ce verset, Dieu a fait déjà son projet. Son projet, la terre était informe. Il n'y avait rien. Mais son esprit se mouvait. Il s'est dit, il faudrait que j'arrange ceci. C'est ceux qui ne trouvent pas que ce n'est pas très joli. Je vais arranger. Il a mis de la verdure. Il a mis les animaux. Il a mis un peu tout. Et il s'est dit, là-bas c'est la terre. Mais qui va gérer là-bas? Faisons l'homme à notre image. Alors, c'est le projet de Dieu qui a commencé comme ça dans Genèse chapitre 1, jusqu'à arriver au verset 26 où il a pensé à nous. Alors, quel est le nôtre? Quel est notre projet? Nous allons continuer. Donc, faisons l'homme à notre image. Nous allons retenir ce verset. Nous allons partir au chapitre 2. Chapitre 2, tout à côté, le verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour. On dit qu'il a fait quoi? Il s'est reposé. N'est-ce pas? On ne se repose qu'après avoir travaillé. Donc, ceux qui veulent se reposer sans avoir travaillé, nous disons non. On se repose après avoir travaillé. Au septième jour, Dieu s'est reposé. Mais aujourd'hui, nous croisons nos mamans, nos petites sœurs, tous ceux que nous trouvons au quartier. Ils sont toujours en train de se reposer, n'est-ce pas? Hein? La télévision est venue tout arranger. On zappe. Avec la télécommande, sur un courant qu'on ne connaît pas comment on paye, sur les chaînes canal, quand ça se coupe, ce sont eux qui réclament. Ah, maman, les chaînes sont finies. Ah bon, les chaînes sont finies, il faut aller à Canal Sat. Mais pour avoir cet argent, on fait quoi? Il faut travailler. Voilà. Mais ils sont là beaucoup en train de se reposer sans avoir travaillé. Même Dieu travaille. Et après son travail, il s'est reposé. Donc nous allons retenir aujourd'hui que le repos, c'est pour les travailleurs. D'accord? Le repos, c'est pour ceux qui travaillent. Mais nous, on voit aux gens aujourd'hui, ah voilà, oh, je suis en vacances. Ah, tu es en vacances. Vacances, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Hein? Vacances veut dire repos. On a trop travaillé, alors on se repose. Les élèves vont à l'école, après on donne des vacances parce que voilà, ils ont trop appris, ils ont trop étudié. Donc, les échoués, mes petits bébés ici présents là, on est échoués, on ne se repose pas. D'accord? Vous n'avez pas travaillé, vous êtes échoué, il n'y a pas de repos pour vous, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, parce que Dieu est contre ça, d'accord? Dieu a besoin des gens qui travaillent. Et là, quand vous avez fini de travailler, dès que les vacances arrivent, demandez tout. Demandez les pop-corn, tout ce que vous voulez. Maman aura même du mal à vous refuser, ça n'est-ce pas? Elle a bien travaillé, elle a eu 14, je t'ai dit. Hein? Elle n'a pas l'argent, elle va trouver l'argent. Mais quand tu es échoué, on trouve l'argent pour les échouer.
Il n'y a pas, non. On ne va jamais trouver les mamans. Ils sont échoués, vous scellez tout, d'accord? Tout ce qu'on attend d'eux, c'est le travail. Donc, quand vous revenez là, apportez les résultats. Là, on sait que vous avez droit au repos. Hein? On avance. On va avancer. Donc, nous avons lu ces versets. On dit, ainsi furent achevés. On prend le mot achevé. Achevé veut dire, on a commencé, d'accord? On est arrivé à la fin. Si on est arrivé à la fin de notre projet, le projet est achevé. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes très heureux. On regarde notre réalisation et ça nous donne du baume au cœur. On s'est dit, ça, c'est mon œuvre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons achever. Ne commençons pas les projets. Les femmes, elles sont spécialistes dans ça. On prend ça, on laisse. On entame ici, on laisse. C'est plus la vente de la banane. C'est la vente des tarots. C'est plus les tarots. Oh, on a dit que c'est déjà dur, le sol ne produit plus. Ah, en tout cas, je bascule sur les tubercules. Qu'est-ce que nous voulons faire concrètement? Donc, apprenons à commencer et nous devons achever parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et j'aime bien me présenter aujourd'hui parce que je suis devant des chrétiens. Et un chrétien, lorsqu'on dit c'est Dieu qui a dit, alors nous devons courir, n'est-ce pas? Nous devons courir et nous devons véritablement faire des choses selon Dieu. Et j'ai dit ici que Dieu est le premier entrepreneur, alors qu'il ne souhaiterait pas devenir entrepreneur. Nous tous, n'est-ce pas? Voilà. Mais qu'est-ce que nous allons entreprendre? Quoi qu'allons-nous faire? Comme je l'ai dit, nous avons 3 jours pour parler. Mais nous continuons à parler de ce que c'est l'entrepreneuriat et pourquoi nous devons entreprendre. Nous avons la première réponse, nous devons entreprendre parce que le Dieu que nous prions, celui que nous craignons, est le premier entrepreneur. Nous allons entreprendre parce que entreprendre, ce n'est pas forcément avoir des immeubles. Entreprendre, ce n'est pas avoir des étages construits, être architecte, être tout. Non. Tout ce que nous commençons, la vente du lait caillé, c'est l'entrepreneuriat qui a commencé comme ça. Aujourd'hui, vous attachez dans des sachets. Demain, vous mettrez dans des pots chicken class. Dans les jours qui vont arriver, vous allez commencer à customiser vos pots en mettant du bon lait chez maman Janine. D'accord? Après, étape suivante, vous allez commencer à aller vers les grandes firmes, aller vers Mbolo pour expliquer. Ça, c'est possible. Comment faire pour déposer mon yaourt ici? Tu vas apporter des échantillons. Ils vont goûter. Ils vont voir que c'est bon. Ils vont vous permettre d'exposer chez eux. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est pas ça? Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et là, nous sommes en train de parler déjà. Nous allons l'aborder aussi dans les 2 jours qui suivent. Mais nous sommes en train de parler de l'évolution dans ce que nous faisons. On a défini l'entrepreneur. On a parlé de projet. Vous avez compris. Le projet, c'est penser. On pense d'abord. On a besoin de telles choses. On veut faire. Et tout ce que nous pensons vient de quoi? Ça vient du besoin. D'accord? Nous devons pouvoir regarder. Je travaille. Et là, quand je suis en train de parler, je parle aux fonctionnaires, je parle aux gens du privé, je parle encore plus à ceux qui ne font absolument rien. Alors là, rien du tout. Rien de chez rien. Nous sommes dans le département social. C'est un département qui devrait contenir tout le monde. C'est-à-dire, je suis chantre, ça ne m'empêche pas d'être au département social. Parce que lorsqu'on dira, il y a telle action à mener, vu que nous la menons pour nous tous, nous la menons pour tous nos frères, nos enfants, nos mamans, qu'est-ce qui m'empêchera? Il y a une cotisation pour maman Chantal. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller au département social? Voici ma petite part à moi, même si je ne suis pas de ce département. Nous devons y être. Mais pour l'être, pour pouvoir mettre la main dans la poche, il faudrait qu'il y ait quelque chose dans la poche. C'est pas ça? Voilà. Et pour qu'il y ait quelque chose dans la poche, nous devons travailler. Il ne s'agit pas d'aller vers papa Jacques pour dire, voilà, à l'église, on nous a demandé une cotisation, mais je n'ai pas. Pourquoi tu n'as pas? Oh bon, comme je suis encore élève, comme je suis encore ceci. Mais tu ne fais absolument rien. Nous allons comprendre vers la fin comment Dieu qualifie ce type de personne et ce qu'il en pense réellement. Et je crois qu'après ce soir, nous allons véritablement changer. Voilà. Donc, nous avançons. La suite de la lecture, nous avons lu là le chapitre 2, le verset 1 à 3. La suite de cette lecture nous démontre que la terre n'existait pas, ni plantes ni animaux, encore moins l'homme que nous sommes. Donc, quoi de plus pour prouver que Jéhovah Dieu, l'Éternel, notre Dieu, celui qui ne sommeille ni ne dort,
est le premier entrepreneur. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que ce n'est pas un meilleur exemple? Nous avons laissé les autres, nous avons laissé tout le monde. Mais là, on a carrément le Créateur, celui qui est plus que tout. Celui qui nous emmène dedans pour notre cause. Donc, il nous a tout donné. C'est ce qu'on dit, non? Dieu nous a équipés. Alors, que faisons-nous les dons que Dieu a donnés? Nous devons pouvoir les utiliser. Et aujourd'hui, nous allons savoir comment nous prendre en charge. Nous avons déjà compris pourquoi nous devons nous prendre en charge. S'il y a besoin, alors il faut bouger. Il ne s'agit pas de se lever le matin et de commencer, oh maman Colette, là où tu me vois là, oh les enfants, oh ça meurt de faim, machin et tout. Maman Colette, aide ce jour-là. Mais prochainement, nous devons apprendre à celui qui est venu nous demander comment il doit faire. Comme on le dit le plus souvent, donner du poisson, mais on devrait apprendre à... Si on apprend à pêcher à tout le monde, vous imaginez un peu, même les problèmes que nous avons au sein de l'église vont se résoudre rapidement. Ce ne sera plus une question d'aller attendre longtemps, bon, on vous donne 2 mois pour tel sujet. Non, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de gens à aider, il y a tellement de choses à faire. Mais ce qui nous écourte, c'est l'argent. Et l'argent, on le trouve où? C'est en entreprenant. Il ne s'agit pas de croiser les bras et de branler les diplômes. La sœur qui m'a présenté l'a si bien dit. Elle a dit que j'étais quoi? Je vais un peu lire, moi-même je ne sais plus parfois. Voilà. Elle a dit que j'étais diplômée de l'ENA. Ça veut dire que quand je marche et que je dis que je suis diplômée de l'ENA, on ne m'appellera pas Juliana. Ils vont m'appeler distinguée. C'est comme ça qu'on appelle les diplômés des grandes écoles. Quand on se rencontre entre collègues, on dit distinguée. On sait que tu es un fonctionnaire hors catégorie. On sait que lorsqu'on va te prendre, quand tu apportes ton dossier, tout de suite les gens paniquent. Ah vraiment, on veut bien vous prendre, mais vous savez que le ministère du Travail contrôle. S'ils viennent ici un jour et on voit votre dossier, et vous êtes... Mais tu supplies même, ça c'était avant. Je le précise bien, que ça c'était avant. Non, il n'y a pas de souci, je suis prête à travailler, même pour 100 000, même si vous ne me payez pas. Ça, c'est arrivé, non? Non, je ne veux rien. Ça c'est quand on ne connaît pas sa valeur. Mais lorsqu'on atteint au niveau où on connaît sa valeur, on ne se laisse pas embaucher par n'importe qui. On s'assoit et on se dit, aujourd'hui c'est moi qui embauche. D'accord? On doit pouvoir connaître qui nous sommes, on doit connaître quelles sont nos bases. Ok, c'est ce qu'elle a dit, diplômée de l'ENA. Après, il y a encore même quoi? Il y a beaucoup de choses. J'ai une licence en marketing et communication. Ça, c'est, j'ai appris. J'ai fait une licence en même temps, j'ai été à l'ENA après. Mais avant ça, j'ai eu une licence en communication. J'ai une licence en télécommunication aussi. Voilà. J'ai une licence en marketing et réseau. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Ce n'est pas ce qui me permet d'être ici. Je peux vous l'assurer. Ce n'est pas ce qui me permet aujourd'hui que le département social puisse m'inviter. N'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas ça. Donc, ce qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est justement la vie associative. C'est ce que nous faisons de nos mains, ce que nous faisons de nos pensées, ce que nous produisons et que nous mettons aux yeux des gens et les gens apprécient que waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et les gens veulent comprendre, ils veulent savoir. C'est l'entrepreneuriat. Lorsque je suis sortie de l'école, elle a dit, oui, j'ai occupé des postes. J'ai commencé par le ministère de la Communication, chargé d'études du ministre. Après, j'ai quitté chargé du ministre des Sports. Après, la secrétaire de cabinet, secrétaire particulière de ministre. Des jolis postes, non? Le genre qu'on souhaite avoir. Le genre, même quand quelqu'un te dit, oh, je suis là-bas. Son affaire, là, n'est pas claire. Elle a fait comment pour être là-bas? Mais je vous assure que parfois, les petits papiers que nous avons là, ça nous traîne là-bas. Tout comme ça peut aussi vous faire asseoir. Mais c'est à nous de bouger maintenant. On ne doit pas se dire, bon là, je n'ai pas de boulot, et puis voilà, je ne vaux complètement rien, et je m'assois. Ben non, ben non. Dieu a placé en nous des dons, et ces dons, nous devons les réveiller. Tout le monde est utile. Alors là, oui, tout le monde est utile. Donc, dans la vie associative, aujourd'hui, j'ai mon ONG qu'on appelle Usine à Jardin Vert. Nous parlerons de ça plus tard. À part ça, je suis présidente de l'ONG Au Revoir les Déchets, parce que la cause de l'environnement aussi, j'aime. Quand je vois l'environnement, je me dis, mais
Dieu a tellement fait pour que nous, on se mette à jeter des papiers, des bouteilles d'eau. Alors, de temps à autre, je pourrais vous appeler, joindre l'église Assemblée de Dieu, parce que nous allons nettoyer une plage, nous allons nettoyer une mangrove. C'est ça aussi le partenariat. Donc, bref, au niveau de la vie associative, je suis aussi largement représentée et nous faisons énormément de choses. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle entreprendre. Voilà, il y a beaucoup de domaines. Donc, la question que j'avais à poser aujourd'hui, c'est pourquoi de nos jours, si je parle des hommes et des femmes, mais je vais aujourd'hui m'accentuer sur le chrétien que nous sommes. Pourquoi le chrétien refuse d'entreprendre? Pourquoi? Pourquoi le chrétien refuse d'entreprendre? Parce que lorsque il faut quand on nous aborde, hein, mais on entend des choses, hein, nous sommes toujours les premiers à avoir des réactions. Alors là, si on peut se permettre le mot super bizarre. Et parfois ça déçoit. Tu t'attends à plus de réflexion. Tu t'attends à de la sagesse. Tu t'attends à beaucoup de choses de la part du chrétien. Mais lorsqu'on s'approche, on est un peu déçu. Parce que parfois je me demande, est-ce que véritablement ils lisent la Bible? Est-ce qu'il la parcourt? Est-ce qu'il parcourt la Bible? Mais pourquoi ils réagissent comme ça face à l'entrepreneuriat? Pourquoi entreprendre devient pour le chrétien, c'est quelque chose de pas bien? Dès qu'on parle, on parle d'un business, tout de suite il est réfractaire. Il a toujours les mêmes réactions. C'est la loge. Mais non, nous avons beaucoup de méconnaissances. On se méconnaît beaucoup. On ne cherche jamais à savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Lorsque nous regardons un peu la vie de Jésus, et c'est tout récemment dans une prédication d'un pasteur que j'ai réalisée, on va nous dire que Jésus était avec des collecteurs d'impôts, n'est-ce pas? Là, c'est un peu pour habiller. Mais sinon, si on va dans le fond, on va nous dire qu'il s'asseyait avec des escrocs. C'est pas ça? Il était avec si. Vous connaissez un peu la Bible? On va citer un peu les gens que Jésus a fréquentés. On ne vous dira pas, voilà, il était avec un super chrétien. Il est parti, lorsqu'il a trouvé Pierre, pêcheur de poissons, il est parti vers lui. Mais nous, aujourd'hui, on est réfractaires à tout. Dès qu'on voit quelqu'un de bien placé, tout de suite, ah non, c'est sûr qu'il en est dans les choses pas claires. Ah ben non, si nous sommes dans un département évangélisation, c'est l'occasion. Nous n'allons pas pouvoir sortir quelqu'un de sa ligne si nous ne l'approchons pas, si nous ne savons pas véritablement qui il est. Donc, lorsqu'on vous parle d'une activité, on vous parle d'un business, tout de suite c'est, on commence à ramasser, on commence à déteindre, et puis voilà, on se met à mentir. Parce qu'on va trouver quoi? On trouve des excuses. Non, en fait, ce n'est pas clair, moi j'ai lu quelque part, j'ai entendu, même ce que nous n'avons pas entendu. Nous allons commencer à dire, si ça, ça, ben non, essaye, et voyons voir ce que ça donne. Et dans la Bible, nous avons beaucoup d'entrepreneurs, n'est-ce pas? On nous parle par exemple de Joseph, le père de notre Seigneur, le père de Jésus. On nous dit qu'il était quoi? Il était charpentier, n'est-ce pas? Hein? Ça veut dire que quelqu'un pouvait venir et dire à Joseph, j'ai besoin de ces meubles. Et ce qui est sûr, c'est que c'était en contrepartie. C'est sûrement avec ça qu'il nourrissait sa famille. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et pourtant, Joseph, nous savons que sa femme, c'est Marie. Et Marie, elle a été enceinte par l'aide du Saint-Esprit. Il pouvait se dire, ben non, Dieu, tu nous as donné un enfant de miracle, alors fais tomber le pain du ciel et puis asseyons-nous, on va. Non, mais on dit clairement que Joseph était charpentier. Dans la Bible toujours, on nous parle de l'apôtre Pierre, qui on peut dire était l'un des apôtres plus proches de Jésus. Pierre était, pêcheur de poisson. Il pêchait du poisson. Vous pensez qu'on part pêcher du poisson, c'est juste pour venir manger nous-mêmes à chaque fois? Lorsqu'on voit un peu, on lit un peu la Bible, et c'est que Pierre, on dit Pierre pêchait en eau profonde. Même lorsque Jésus l'a trouvé, ils étaient en eau profonde. Lorsque le bateau a chaviré et tous avaient peur, et Jésus dormait, on l'a secoué. Seigneur, Seigneur, nous allons mourir. Il a dit, calmez-vous. Et Jésus a parlé à la tempête. Donc ça veut dire qu'ils étaient en haute mer. Et ceux qui pêchent juste pour se nourrir, je ne crois pas qu'ils vont en haute mer. Donc nous allons supposer que Pierre vendait ce poisson-là, il le commercialisait. Donc, toujours dans la Bible, on dit, Pierre était pêcheur de poissons,
il pêchait sur le lac de Tibériade avec son frère André, qui lui aussi peu après a suivi Jésus. Tous des pêcheurs, donc c'était des entrepreneurs. Tous les deux aussi sont devenus apôtres les plus proches de Jésus. Alors, si nous revenons à la question, pourquoi aujourd'hui l'homme, le chrétien, n'aime pas l'entrepreneuriat? Et aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes dans l'église. Et je vous pose la question, est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Il y en a? Vous êtes là? Super. Bonsoir, chers collègues. Ok. Alors là, ça me fait plaisir. Qui n'est pas entrepreneur? Qui ne l'est pas? Je vois une main là-bas, deux. Tout le monde est entrepreneur de ce côté. Tout le monde. On a une activité. Quand je parle d'entrepreneur, je ne parle pas, je suis fonctionnaire. Je vous en supplie. D'accord? Ça, ce n'est pas entreprendre. Alors là, pas du tout. Ce n'est pas entreprendre. Nous sommes fonctionnaires, nous ne sommes pas entrepreneurs. D'accord? On a dit l'entrepreneuriat, penser, créer. On n'a pas quand même créé le ministère de la planification. Ou bien? Voilà. On ne l'a pas créé. On n'a pas créé, le ministère des sports. Ce n'est pas nous. On nous a pris et on nous a mis là-dedans. On a dit, restez là et surveillez les documents ici présents. C'est pas ça? Voilà. Donc, ça me fait, il y a du bien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Voilà. Donc, s'il y en a beaucoup, c'est bon. La seconde question venait. Pourquoi vous refusez? Mais vu qu'il y a des entrepreneurs ici, moi, ça m'arrange et ça me va. Et je suis alors là, très contente de voir qu'il y a plusieurs entrepreneurs au sein de l'Église. Et d'ailleurs, nous tous, nous devons l'être. Dans l'Église, nous devons être tous entrepreneurs. Et oui, nous devons entreprendre de diverses façons parce que l'Église est le lieu par excellence où il y a des gens qui ont besoin de nous. Nous avons le département social. On ne va pas imaginer quel type de dossier ils reçoivent, quel type de personnes. Ils ont besoin d'aider, mais ils ont besoin d'avoir des bras longs. Ils ont besoin de se dire chaque semaine, nous allons pouvoir faire ci, nous allons pouvoir aider d'abord au sein de la maison, sortir même. Les assemblées de Dieu, je crois, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et lorsqu'il y a du monde, c'est qu'il y aura forcément des gens à aider. Mais pour aider, nous devons avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, nous devons entreprendre. On ne cessera pas de le répéter. On ne cessera de le répéter. Voilà. Donc, ça va permettre à ce que tout ce que nous faisons soit facile, soit allégé. Si on dit qu'il nous faut 100 000 francs et qu'il n'y a que deux personnes au sein du département, ce sont eux qui doivent se battre à chaque fois pour trouver ça. Ils sont à peine 5 et ils doivent tout faire. Vous imaginez un peu comment ça devient? À un moment donné, si on n'a pas la foi, si on n'aime pas ce pourquoi nous nous sommes engagés, on se lasse. On se lasse et on commencera à se dire, ah, et pourtant le frère Jacob aussi, il a, non, il peut venir nous trouver. C'est ce qui devrait se faire, nous devons tous être dans ce département parce que c'est le cœur qui parle. Là-bas, c'est le cœur qui parle. Donc, chers frères et sœurs, entreprendre vient de Dieu. Donc celui qui aujourd'hui, lorsqu'il regarde autour de lui, il ne fait rien, je vous le dis aujourd'hui, entreprendre vient de Dieu. Entreprendre, c'est créer, c'est travailler, et le travail encore vient de Dieu. Nous allons lire quelques versets qui nous montreront les bienfaits du travail, c'est-à-dire les bienfaits de l'entrepreneuriat. Nous allons prendre Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 23. Quelqu'un y est? Donc, Colossiens chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Nous allons relire. « Tout ce que vous faites,
Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Nous aimons le travail. C'est ce que Christ demande. C'est qu'en partie, nous sommes en train de le servir. Et ceux qui aiment le travail, ils ont le cœur sous la main et ils aident. Ils doivent aider. En même temps, lorsqu'on aide, on doit pouvoir apprendre ceux à qui nous aidons à aider aussi. Parce qu'il faut un relais. Vous imaginez le département social? Bon oui, il y a tant de sœurs qui travaillent, il y a d'autres qui font ci. Vous avez pensé à leur retraite? Un jour, ils seront à la retraite. Ils seront fatigués. Ils n'auront plus les mêmes moyens qu'ils avaient il y a 10, il y a 15 ans. Ces moyens ne seront plus les mêmes. Alors, s'il n'y a pas de relève, s'il n'y a pas de jeunes dans ce département, si dans l'église, personne ne veut entreprendre, on se dit, bon, on vient à l'église et puis on chante et puis on loue et puis on rentre. Alors que quelque part, Dieu demande de travailler. Dieu demande de faire les choses avec le cœur comme pour le Seigneur. Donc Dieu nous demande à tous d'aider. Dieu nous demande à tous de travailler. Dieu nous demande à tous d'entreprendre. Comme on le dit, un seul doigt ne peut pas laver une main. Nous avons besoin de toute la main. Alors aujourd'hui, le département social, en prenant ce thème sur l'entrepreneuriat, comment se prendre en charge? Je crois que c'est aussi un cri d'alerte. C'est un cri d'alarme pour tous. Pour tous, parce que plus nous allons travailler, plus nous allons entreprendre, je crois qu'il y aura, nous n'allons pas appeler ça des démunis. Nous allons simplement dire, ça explique la même chose, mais nous allons dire des gens qui ont besoin d'aide. C'est-à-dire, on ne va pas vous aider toute la vie. Nous sommes d'accord? Non. Si on a aidé la sœur Georgette aujourd'hui, sœur Georgette, donc, 1er janvier 2023, tu nous reviendras encore avec le même problème? Ah ben non, nous devons pouvoir passer à quelqu'un d'autre. Nous n'allons pas être là avec nos mêmes problèmes en train de, voilà, non. On vous aide aujourd'hui et après on va vous apprendre comment vous prendre en charge, comment faire de la continuité, comment être des exemples. Être ici sur cette estrade et témoigner ce que le département social a fait pour vous. Et aujourd'hui, c'est à vous de faire pour d'autres personnes. Nous continuons. Nous allons prendre le texte de Jean, au chapitre 6, au verset 27. Donc, je vais paraphraser cette partie qui dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt. » Et là, dans ce texte, Christ nous parle de la vie éternelle. Il nous parle du travail. Il nous parle du travail durable que nous faisons avec lui. Il nous parle des actions qui nous mènent à une vie éternelle. Et nous allons prendre ce texte et nous dire, travaillez non pour la nourriture qui périt. Donc, pour ce qui est de vous, pour ce qui est d'entreprendre, nous n'allons pas mener des actions qui vont pouvoir se répéter pour les mêmes personnes. Nous allons le faire une fois pour quelqu'un, pour que cette personne-là, au lendemain, il puisse aussi prendre son envol et être un allié de demain. Quand on comptera le département social, on était 6, on a ajouté une 7e personne, on a ajouté une 8e, qui a ajouté une 9e, et aujourd'hui, nous devenons une bonne poignée qui va permettre de pérenniser ce que nous sommes en train de faire. Nous allons lire le texte de Proverbes, que j'adore d'ailleurs. Alors là, j'aime ce texte. Prenons-le, s'il vous plaît. Et là, nous allons comprendre. Là, je m'adresse plus aux responsables du département social. Lorsqu'on aide, aider, c'est bien. Mais on aide qui? Qui on aide? Et là, vous allez toujours demander à Dieu de vous donner sa présence, de vous donner la sagesse. Alors là, de la sagesse, pour que vous puissiez savoir qui véritablement aider, qui a besoin d'aide parmi tous ceux qui se présentent à vous. Donc, ce texte est dit, nous y sommes. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13,
le verset 4. Je veux vraiment que tout le monde y soit. Ce texte dit, le texte de Proverbe, chapitre 13, le verset 4, il dit, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Nous allons prendre la partie A qui dit, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. » Nous avons déjà tous dans notre vie rencontré ce type de personnes. Ils ont de grands projets, ils ont de grandes idées, ils ont un peu tout. Après, on finit toujours par « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Ou bien, nous en connaissons, n'est-ce pas? Même dans notre milieu, nous en avons avec tout temps. Vous trouverez même des gens à qui vous remettez 1000 francs, ils vont vous dire que c'est insuffisant. Ils vont vous dire, c'est tout ce que tu me donnes, mais je sors ça d'où? J'ai travaillé. Et toi, tu ne peux pas t'asseoir et attendre, demander, demander, encore et encore. C'est bien ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et là, ça revient à la paresse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup refusent d'entreprendre. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. Mais c'est la paresse qui nous habite. La paresse. Donc, pour aujourd'hui, avec le temps qui nous est imparti, nous allons conclure en nous disant que, chers frères et sœurs, nous venons de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'entreprendre, l'entrepreneuriat, qui peut être appelé entrepreneur et pourquoi nous devons entreprendre. Donc, demain, nous allons rentrer proprement dans le vif du sujet qui dit comment se prendre en charge. Nous allons pouvoir discuter entre nous, savoir ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour être debout. Alors, nous qui refusons d'entreprendre, sachons que nous ne sommes pas en accord avec Dieu. Voilà, la mendicité ne vient pas de Dieu. On dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? Alors, l'or et l'argent nous appartiennent aussi. La pauvreté, elle ne vient pas de Dieu. Et pour sortir de là, ce n'est qu'un état. Pour sortir de là, nous devons travailler. Donc, nous allons pour aujourd'hui, nous allons devoir nous arrêter là. Nous sommes à 19h20. Je crois que c'est le temps qu'on a donné pour pouvoir finir. Et demain, nous lirons plusieurs textes bibliques et qui vont nous montrer ce que Dieu dit par rapport au travail. Sinon, je peux les paraphraser tranquillement. Nous avons Exode 20, verset 8. Je pourrais les remettre à la technique et puis vous allez pouvoir noter. Exode 20, 8 à 10. Nombre 28 à 25. Dans ces deux versets, Dieu rappelle qu'après que nous ayons travaillé durant nos 6 jours, n'oublions pas de lui réserver le jour du sabbat. Vous comprenez ce texte? Après que nous ayons travaillé, nous réservons le dimanche pour Dieu. Mais il y en a qui n'ont rien fait pendant les 6 jours. Ils sont là. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais il a dit, après avoir travaillé, n'oubliez pas de me réserver le 7e jour, qui est le sabbat. Donc, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, j'espère que vous avez retenu notre introduction. Et demain, nous allons véritablement parler comment se prendre en charge. Donc, sur ce, j'ai terminé. Je vais vous laisser pour les questions. Merci. Alléluia. Alors nous allons prendre 3 questions comme il a été dit au préalable. On va enregistrer les 3 questions de manière succincte et puis on va laisser la conférencière le soin de répondre aux questions. Alors, des questions s'il vous plaît. Je vais descendre un peu par ici parce que je n'arrive pas bien à voir s'il y a des mains levées. Des questions? Il n'y a pas de questions. Vous avez tous compris. Tout a été clair. Bon, je peux aussi comprendre. Je peux aussi comprendre qu'il n'y ait pas de questions.
Parce que si on nous dit que Dieu est le premier entrepreneur, quelle question nous allons poser? La Bible nous l'a prouvé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais s'il y a des questions, posez. Mais demain, vraiment, apprêtez des questions. Les entrepreneurs, soyez là, bien affûtés, parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet comment. Et quand on parle de comment, c'est-à-dire, nous allons pouvoir sortir les techniques, nous allons pouvoir rompre avec les tabous, nous allons pouvoir aller d'exemple en exemple. Je vais pouvoir vous parler de moi. Hein? Apprêtez les applaudissements. Voilà. On va pouvoir parler de ces personnes-là qui entreprennent sans s'asseoir. Des gens qui ont élevé des enfants parce qu'ils ont commencé à collectionner de la farine, à vendre du manioc. C'est pas simplement magique. Ah bah oui, c'est possible. Donc, merci encore à tous. Et je suis déjà, alors là, super, je ne dormirai pas. Très pressée d'être là demain pour continuer notre bonne discussion qui a très bien commencé. Donc là, lorsque vous retournerez au quartier, invitez les sœurs, vous connaissez, non? Ceux qui sont spécialistes, là, dès que la fin du mois arrive. Oh, je peux avoir un Airtel Money là. C'est comme si l'argent tombait sur Airtel Money et puis ça ne sert qu'à transférer. Je leur dis toujours, mais celui qui envoie les Airtel Money là, il n'a pas envoyé chez toi? Oh, pourquoi tu me réponds comme ça? Je dis, mais quand je me dis envoie Airtel Money, c'est que c'est posé chez moi. Donc toi, si tu devrais en recevoir. Il faut faire comprendre à ces personnes-là que le Airtel Money ne produit pas de l'argent. C'est ce que je travaille, c'est ce que je prends et je mets là-dedans, comme une petite réserve. Donc, dans la journée, si, donne-moi Airtel Money, donne-moi, on partage tout et nous, on reste avec quoi? Voilà. Donc, demain, n'hésitez pas, allez-y les prendre, peu importe là où ils se trouvent. Il y a quelque chose de très intéressant que je souhaiterais que tu découvres. Donc, demain, on doit pouvoir remplir la salle. D'accord? On doit pouvoir remplir et chercher des chaises encore. Voilà, merci. Merci à notre conférencière du jour. Nous allons passer à la récolte des offrandes, si les corbeilles peuvent déjà passer. Demain, comme vous l'avez si bien entendu, nous serons là demain à partir de 17h30. Pour la suite de cette conférence sous le thème de l'entrepreneuriat. Notre conférencière nous a dit qu'elle nous expliquera mieux comment se prendre en charge demain. Excusez-moi. Alors, est-ce que la chantre peut venir nous donner un chant là? On veut danser un peu avant de partir, s'il te plaît. Pendant que la corbeille passe.